Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener dans le parc national de la Jacques-Cartier, qui est un de mes parcs préférés pour faire de la photographie de paysage à proximité de Québec. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai amené dans mon sac à dos. Alors, le boîtier que j'utilise, c'est la Sony A7R3 que j'adore. 42 mégapixels, excellente plage dynamique, très grande performance ISO. Puis en plus, elle est vraiment légère, fait que c'est parfait pour moi qui fais beaucoup de randonnées de jour. Vraiment un incontournable. Ma lentille préférée, c'est la Sony 1635 f2.8 G-Master que j'utilise pour 90% de mon travail. Elle me permet aussi bien de faire des compositions avec un avant-plan très près à 16 mm ou bien de faire des panoramas à 35 mm et elle est extrêmement chère. La deuxième lentille que j'ai apportée, c'est la Sony 2470 f2.8 G-Master que j'utilise habituellement quand je vais faire des images qui sont un peu plus lifestyle, donc qui vont avoir un sujet. Alors quand je veux faire des autoportraits par exemple, c'est la lentille que je vais utiliser le plus souvent. La troisième lentille que j'ai amenée, c'est la Sony 100-400 f4.5 5.6 G-Master que j'adore vraiment pour faire des images qui sont un peu plus minimalistes, pour aller très près des paysages, mais également pour photographier la faune qui est habituellement très active en fin de journée comme ça ou le matin au lever du soleil. Quand je pars en shoot, j'ai toujours un plan B, donc j'ai amené ma Sony A7R3 comme deuxième boîtier. Quand je fais de la photographie de paysage, j'aime bien faire des longues expositions, donc j'amène toujours mes filtres ND. Ici, j'ai un filtre 5 stops, 10 stops et un filtre graduel. J'ai également mon trépied Manfrotto Element que j'adore, qui est très léger et qui est très stable. Je dirais que c'est mon trépied de prédilection pour faire de la randonnée. Finalement, d'autres éléments importants, un kit de nettoyage, un pack avec toutes mes cartes mémoire, des batteries pour mes boîtiers, mon téléphone et une batterie pour recharger mon téléphone. Sur ce, je vais aller m'amuser, la lumière commence à être vraiment belle, mais également je vous laisse avec une série de photos que j'ai eu la chance de prendre au parc de la Jacques-Cartier pour vous montrer à quel point cet endroit est magnifique.